Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance, de la plénitude, de la paix, de la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, il y a 40 jours, endormi dans l'espérance de la résurrection, notre frère Jean-Lié, Massala. Et nous voulons, en ce jour, nous souvenir de lui. Il a fait la traversée vers la maison du Père il y a 40 jours. Certains depuis hier ont l'honneur de faire la traversée, nous ce matin aussi, afin de nous retrouver en famille et de célébrer en priant le repos de l'âme de Jean-Lié, en implorant la miséricorde du Seigneur. Nous voulons aussi confier en ce dernier jour de l'an de grâce 2022 dans un esprit de passage vers l'an 2023 chacune de nos vies, chacun de nos prochains, confier notre pays au Seigneur, afin que tous nous puissions revenir au Seigneur de tout notre cœur, que nous puissions grandir dans l'amour, en étant fraternels les uns avec les autres, grandir au milieu des difficultés dans l'espérance, les amas les espérés, grandir malgré les âmes, dans la foi, pour que, même au creux de la vague, nous puissions toujours nous donner le croire que demain sera meilleur. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Coucou le web pour nous.
la mambo mama bi ba meshi dolo kokola we kokola we komo kokola we kokola we komo mo mambo mama bi ba mesa kala mo mambo mama bi ba meshi dolo kokola we Kokona we Christe, Kokona we Christe, Buma buma mabi mamesa kala, Buma buma mabi mameshilolo, Kokona we, Kokona we. Sakala, buma buma mabi, mame shilolo. Dior Seigneur, nous te prions Seigneur, pour te recommander ton serviteur Jean-Louis et Massala. En ce jour 40e de sa mort, répands sur lui, comme une rosée, ta miséricorde éternelle, et accorde-lui une place auprès de toi, dans l'assemblée de tous les saints, par Jésus-Christ, ton Père Seigneur. Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles, Amen. Lecture du livre de l'Isaïe, chapitre 25. Versets 7 à 9. Le jour viendra où le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile du deuil qui enveloppait tous les peuples et de l'un seul qui couvra toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui, nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à lui. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer. Le Seigneur est mon berger. Par le juste chemin, pour l'honneur de
saurais me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est mordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur, rien ne saurait me manquer. Alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre secours dans le nom du Seigneur. Bien chers frères et sœurs, lendemain de la célébration de la Sainte Famille, d'aller à la fête, puisque nous sommes dans le cadre de Noël, et de là, de pouvoir contempler comme les bergers l'enfant Jésus, Marie et Joseph, modèle de la famille. Lorsqu'on parle de famille, de sainte famille, on ne peut pas écarter la dynamique de la relation à Dieu de par la prière.
Et c'est dans cette option, donc pour moi, que nous le donnons en ce jour de le souvenir d'un de nos frères non liés, que nous voulons recommander la miséricorde du Seigneur en ce 40e jour de sa naissance au ciel. Nous voulons prier pour le repos de son âme. Et on peut s'interroger, pourquoi célébrer l'Eucharistie au 40e jour, le chiffre 40? Nous le trouvons dans la Bible, lorsque Noé se donna il y a 40 jours. La colombe qui revient parce que, en portant un rameau d'olivier, parce que l'eau a baissé, dans ces 40, la longue marche du peuple d'Israël à travers le désert, 40 ans, nous pouvons aussi voir dans les 40 jours de Jésus passé au désert. Et nous pouvons aussi rejoindre le Christ Jésus, mort et ressuscité, qui le 40e jour s'est donné de monter au ciel. Et c'est dans cette optique que nous venons de penser que notre frère Lié, Jean Lié, qui a vécu parmi nous, s'endormit dans l'espérance de la résurrection, il était encore si proche de nous. Et nous voulons demander au Seigneur qu'il puisse faire la traversée pleinement vers lui. Et le Christ Jésus qui nous dit dans cette péricope de Saint Jean, je m'en vais vers le Père, et là, je vais vous préparer une place. Une place, parce que nous savons que le Christ Jésus, en mourant sur le bois de la croix, il a assumé notre humanité. Il s'est passionné de nous afin de nous donner la vie, que nous puissions l'avoir de manière surabondante. Une vie qui déjà est présente en nous, de par le baptême. Comme le dit l'apôtre Paul, de par le baptême, nous sommes morts avec le Christ et ressuscités avec lui et sommes devenus une créature nouvelle. Notre vie présente, elle est déjà une vie en Dieu. C'est une occasion donnée afin de penser à Jean Lié, à tout ce qu'il a fait de beau et de vrai au milieu de nous, en remerciant le Seigneur. Parce que sans l'Esprit du Seigneur, personne d'entre nous n'est capable de dire Abba. Ou encore, personne d'entre nous n'est capable de s'engager pleinement en réalisant le bien, dans une ouverture grande à nos frères et à nos sœurs. Jean Lié, il fut un homme de la littérature, un homme de la culture, un homme au service de la communication. C'est véritablement passionné d'établir les ponts entre les frères et les sœurs. Je crois qu'il fut guidé et poussé par l'Esprit du Seigneur afin de réaliser toutes ces œuvres que j'étais le fruit de son travail dans une collaboration grande avec ses frères et ses sœurs. S'inscrivant pleinement dans le secteur éducatif, afin de donner à la jeunesse de notre pays de pouvoir réaliser des rêves en se mettant eux aussi au service de leurs frères et de leurs sœurs.
Et nous venons dire merci au Seigneur de nous avoir donné Jean-Lie comme frère, comme compatriote, comme ami, comme papa, comme petit frère. Et nous rendons grâce à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui, en regardant sa propre vie, s'est donné de se dire qu'il y a souvent dans le cœur de l'homme une tension. Le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas toujours à le réaliser. Et le mal qu'il ne veut pas faire, il le réalise. Aussi, voulons-nous demander au Seigneur en ce 40e jour de manifester sa miséricorde à notre frère Jean-Lie pour qu'il ait raté de son existence. Puisque le Christ Jésus est mort, non pas parce que nous sommes saints, mais pour faire de nous que nous puissions cheminer sur la voie de la sainteté. Et puisque notre frère Jean-Lie a cru à la mort et à la résurrection de Jésus, il entend le cri de Jésus lui dire, Jean-Lie, viens, sois le béni de mon Père, et viens recevoir un héritage, le royaume préparé pour toi. Amen. Frères et sœurs, prions nous lever et faisons monter notre prière vers ce Dieu qui nous aime. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions à l'honneur du pape François, ainsi que de toutes les églises de Gabon, de toutes les églises du Gabon, pour que les lanternes des jeunes femmes ne s'éteignent jamais, mais nous vivent telles les toiles qui guida au dommage. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te prions afin que tu puisses veiller sur la famille de Jean-Lie Massala, que tu puisses apaiser sa douleur et la lumière de ton esprit, de ton Saint-Esprit, afin qu'elle puisse commencer cette épreuve. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te confions toutes les personnes présentes aujourd'hui et réunies afin de célébrer les 40e jour du départ de Jean-Lie Massala. Que cette réunion en son honneur puisse renforcer nos liens afin que nos amours demeurent. Prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes qui nous ont quittés en cette année 2022. Toutes ces personnes chères à nos cœurs. Seigneur, par ta miséricorde, reçois-les dans ta demeure. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, à l'horizon de la nouvelle année 2023, nous voulons te présenter notre pays, le Gabon. Nous voulons te présenter nos familles, nous te présentons l'humanité toute entière.
Seigneur, que ta paix et ta miséricorde soient sur nous. Nous prions. Ô Seigneur, aie pour tes propitiés. Seigneur, nous voulons nous unir au pape François et à l'Église universelle en faveur du pape Benoît XVI. Accorde-lui de remonter la pente. Accorde-lui la grâce de la santé. Qui a plus grand de gloire, ce qui est. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions encore le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires dans ta Église et dans ta bonté, daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Trouvez dans ma vie la présence. Venez rue de l'homme allumée. Choisir avec toi la confiance, aimer, c'est savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, c'est savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, c'est ça, voir aimer. Par le Christ notre Seigneur.
tempestés et le vent notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Je t'offre en action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a respondu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous a fait, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque confond leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et son sang nous proclamons. Santo, Santo, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Veni sunt Celi et Terra, Gloria Tua, Hosanna in Excelsis, Benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in Excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Après le repas, il prit la coupe, le nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant.
Rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens, toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandir notre charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Viens, toi, que j'en liais la qui a quitté ce monde il y a 11 jours, que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de la famille. Ce que nous avons connu et aimé pour cette année 2022, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Collaborateurs de Sandra. Parents, amis et connaissances. Ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de la miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons lire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et que dans notre se réalise une heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Nous t'avons été accomplices. Donne-le Dieu cette paix pour que la vertu parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, venez pour un signe. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona meis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Prions encore le Seigneur,
pour l'âme de ton serviteur Jean-Lié Massana. Et si tu peux s'attacher encore à lui, nous te supplions humblement de les effacer. Toi, qui es miséricorde et pardon, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Yeah.